Salut, moi, c'est Steven. Avant, j'étais le type fiable par excellence. J'étais un bon père. Bonne nuit. Un bon chrétien. Amen. Un excellent mari. J'ai vécu dans le mensonge très longtemps. Tu es quoi ? C'est comme ça que j'ai décidé de recommencer ma vie à zéro et de la vivre selon ma vraie nature. Mais je me suis rapidement rendu compte d'une chose, être gay, ça coûte une fortune. Et là, je n'ai plus eu le choix. Je suis devenu escroc. Votre chèque. Et le plus beau, c'est que ça faisait de mal à personne. T'as reçu mes cadeaux ? Maman, regarde ! Steven ! Auriez-vous une pièce d'identité ? Mais bien sûr que j'en ai une. Mais la réalité n'allait pas tarder à me rattraper. Je serai calme si je veux ! Calmez-vous d'abord ! Le côté gay et le côté escroc se complètent souvent l'un l'autre ou... Et puis un jour, il est arrivé quelque chose de merveilleux. Je m'appelle Philippe Morris. Tu as l'air si déplacé ici, Philippe. Fraude à l'assurance. Non. Non, moi, fraude à l'assurance. Oh. C'est moi qui révélerai tout à l'avenir. C'est le truc le plus romantique qu'on ait jamais fait pour moi. Steven ! On va bientôt se retrouver ! Je t'aime, Steven ! Monsieur le Président, sa cliente est en rupture de contrat. Maître Russell, qu'avez-vous à dire ? J'ai une décision de libération anticipée pour Philippe Morris. Je suis son avocat. J'ai appelé vos anciens employeurs et tous ne peuvent que se louer de vous. Entre nous, je ne peux que me louer de Monsieur Steven Russell. C'est quelqu'un d'une grande droiture. On vous garde pour être notre nouveau directeur financier. On a les moyens de s'offrir ça? Oh, laisse-moi m'occuper de notre budget, trésor. Bouffe-moi le cul! Pardon pour le vocabulaire. Ma mère a fumé pendant sa grossesse. L'amour, c'est vraiment un drôle de truc. Ce que je veux, c'est que jamais rien ne nous sépare. On ne laissera rien nous séparer. Qui vous rend heureux? Combien tu as touché comme prime de Noël? Pas mal. En juillet? Moi aussi, j'ai trouvé ça étrange. Qui vous rend malheureux? Oui, j'ai quelques questions au sujet des comptes que nous avons ouverts récemment. Est-ce que tu peux me péter la gueule avec ça? Qui vous pousse à faire toutes sortes de choses inimaginables. Tu n'es pas avocat du tout. Avocat, mon gueule! Je suis censé faire quoi maintenant alors? J'en fais quoi de cette bagnole?